ce soir, nous allons parler de cinéma. Je vais m'entretenir avec le grand cinéaste sénégalais, M. Moussa Sène Absa. 3 semaines avant le tournage, on m'annonce que le film ne peut pas se faire parce que la production a fait faillite. J'ai failli devenir fou. Faire un film, c'est se remettre toujours à neuf. Parce qu'on peut accepter qu'un médecin fasse une erreur d'opération, que la personne meure. Mais un cinéaste, on ne peut pas lui permettre ça. Si vous n'avez pas votre propre récit, vous allez avoir le récit du voisin ou de l'autre. Comme nous ne connaissons pas les valeurs, nos valeurs culturelles, les autres viennent s'abreuver des milliers de récits qui dorment. Et les gens racontent d'autres histoires qui n'ont rien à voir, mais ça ne m'intéresse pas. Et c'est pourquoi je reproche toujours à nos dirigeants de considérer la culture comme quelque chose de subalterne. Le problème des politiques aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent pas leur culture. C'est ça le drame. Le drame de l'Afrique, c'est que les dirigeants n'ont pas une connaissance de l'histoire, de notre histoire.